Je me souviens de ces boutons de manchette, nous disait Ashley en fin d'épisode précédent. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Call Recollection. J'espère que vous allez bien, nous allons tout de suite continuer parce que nous voulons la suite. Let's go. Est-ce que j'ai déjà rencontré cet homme ? Ashley ? Ashley, peut-être. Je suis venu ici il y a 13 ans. Vous vous rappelez si on s'était rencontré ? Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Oh. Je connais Richard depuis longtemps. Il parle très souvent de toi. Quand l'avez-vous rencontré? Peu après que Sayoko et lui ont été diplômés. Vous connaissiez aussi ma mère? Oui, à l'époque où JC Valley s'appelait MG Labs. Judge Fitzgerald, le directeur, fonda ensuite JC Valley. Nous avons effectué des recherches ensemble pour le projet EC. Alors le père d'Elizabeth connaissait aussi maman. Ashley? Oui. Ah, excuse-moi de t'ennuyer avec mes vieilles histoires. Où est Richard? Il t'attend dans son cottage? Non, il a été appelé par le labo. Il s'est rendu à JC Valley? Oui, apparemment il y avait un souci avec le système. Encore des problèmes? J'irai voir plus tard de quoi il retourne. Je crois qu'on devrait s'en aller, n'abusons pas. Tu l'as dit, Elizabeth va avoir besoin de temps pour se calmer. À plus. Merci pour votre accueil. Ouais, merci. Pas de quoi. À bientôt, j'espère. Non, ça va, finalement, il a pas l'air si... Ou alors, il joue très bien son jeu, mais il m'a l'air sympathique. Plus que Ryan, alors que j'ai au final plus de suspicions avec... Avec le père, quand même, hein, d'Elizabeth, que Ryan. Mais Ryan, il est perturbant de base. Après, vous voyez, derrière des gens tout sourire et tout, surtout lui, ça peut être très problématique. Mais il m'a l'air honnête. Tu crois qu'Elizabeth va se remettre? Désolé de t'avoir mêlé à ça. Je pense pas avoir apporté grand-chose. J'étais bien contente qu'on ait du renfort, merci. A plus, Ashley. Et j'ai le MP3. Ouvre la porte. Ouais, là il est un petit peu plus violent. Mais fiche-moi la paix. On est inquiet pour toi, tu comprends Lizzie? T'es pas obligé de gueuler jusque les voisins l'entendent hein, quand même. Lizzie. Ne m'appelle pas Lizzie. Seule maman a le droit d'utiliser ce nom. Et c'est reparti. Ça va durer un moment. Ils finiront par se calmer et elle m'enverra des messages vénères. Ben j'espère, parce que si elle passe par la fenêtre, on est un peu plus embêté quoi. On va squatter chez Bob en attendant ses messages. Mais Tommy, tu as un boulot. Ça roule. Est-ce que Tommy, lui, serait pas plutôt attiré par Jeannette que Elizabeth? Ah, ça sent les disputes normes. C'est ça les disputes normales entre père et fille? C'est tendu. Non, c'est pas normal, ça. Ah, j'ai le baladeur. Oh non, le baladeur. Je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient au resto chez Bob. Je vais les rejoindre. Mais va chercher Matthew, surtout. Ouais. Mais non, apparemment, elle s'en fout. Oh, y'a Minou. Le petit chat. Oh, il est adorable. Je ne devrais pas le déranger. Mais c'est vrai qu'il dort. Tintin. Ta la 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 ta ta. Coucou. C'est pas une façon de d'être sur une chaise, ça, Tommy. Hein. Voilà. J'arrive pas à croire qu'il était dans la boîte à musique. Oups. Désolé, t'inquiète. Oui, heureusement que tu l'as trouvé. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi elle l'aurait caché? On était dans Minecraft pendant l'échange d'un échange. Là. L'espace d'un échange. J'avais pas vu Elizabeth pleurer comme ça depuis longtemps. Tommy, qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que je lui ai dit? Je pensais pas que ça la ferait pleurer. Et c'est pas tout. Vous auriez dû l'entendre. J'ai insisté pour qu'elle me dise pourquoi elle venait plus au répète. Et là, elle est partie dans un délire complet. Comme quoi elle avait plus envie, qu'elle aimait pas chanter. Mytho total, clairement. Chanter, c'est la grande passion d'Elizabeth. Oui, et c'était tellement n'importe quoi, pas vrai? Ça m'a énervé. Je me suis mis à crier, je lui ai ordonné de me dire la vérité. Oui, bon, alors c'est sûr que Tommy, faut pas y aller comme ça. Hein. Dis donc, Tommy, t'y es pas allé mollo. Elle l'a mal pris et s'est mise à pleurer.
Bah évidemment. Et ensuite, devine quoi? Elle a dit que j'avais pas besoin de me forcer à être son amie. Qu'elle savait très bien que tout le monde la trouvait ridicule. Ouais, bon, ça par contre, c'est super sad, hein. C'est un mélange entre triste, sad et ça voulait pas sortir. Et vous êtes barré, quoi. Quoi? Apparemment, elle s'est convaincue qu'elle chante mal. Ouais, c'est encore son père qui lui a dit, genre, mais de toute façon, tu chantes pas aussi bien que ta mère, tu devrais faire autre chose, bla bla bla. Pardon? D'où ça sort, ça? Ouais, hein, c'est tellement nimble qu'il y aurait de quoi rigoler. Mais t'as pas rire, assure-moi. Attends, tu crois que ça me ferait rire qu'elle pleure? Je lui dis qu'elle se plantait, mais elle ne m'a pas écouté. Elle a perdu toute assurance, elle s'est juste mise à pleurer. Incroyable. Oui, c'est ça. Comment ça, passionnée par le chant? Elisabeth est passionnée par le chant? Oui, depuis toute petite. J'ai ce souvenir de quand nous étions très jeunes. Elle écoutait la boîte à musique de sa mère et fredonnait la mélodie. Elle avait l'air si heureuse. Ça lui arrive encore de le faire, et dans ces moments-là, elle retrouve son expression de petite fille. Elisabeth déteste qu'on la voit comme ça. Je peux comprendre. Elle aime la musique, mais elle adore la voix de sa mère. Elle a dit autre chose. Elle a dit qu'elle n'arriverait jamais à chanter comme sa mère. Bah oui, évidemment, c'est ce que lui a dit son père, du coup elle pleure. La pression. Évidemment, elle chante pas mal, si. Bah non, quand même pas. Mais elle chante pas mal, si. Mais non, elle chante très bien, elle a une voix magnifique. Oui, son timbre est unique, c'est vraiment cool. Mais elle est convaincue d'être mauvaise, c'est ultra louche. Carrément, hyper bizarre. Bah on va l'écouter. Tu dis qu'il y a ça sur le baladeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on envoie notre chanson pour participer à la compète. Mais c'est impossible sans chanteuse. On fait quoi? On laisse tomber? Jamais, on participera quoi qu'il arrive. Alors il faut qu'on répète. Là, t'as déjà envoyé des messages? Pas encore. Et donc, elle ne décrochera pas non plus si on l'appelle. Ton chanson est là-dedans, non? Oui, tu peux l'écouter? D'accord. Allez, vas-y, faites-nous écouter. Tu en penses quoi? Bah, c'était génial. C'était franchement incroyable. Donc, un son de qualité. Parce qu'on a rien entendu. C'est pas mal du tout, je suis fan. Ouais, hein. Classe. J'imaginais pas la voix d'Elisabeth comme ça. Mais oui, elle devient une autre personne quand elle chante. Totalement différente, c'est dingue. J'avais encore jamais entendu une voix pareille. Il y a quelque chose de particulier, de vivant. Comme si elle allait droit au cœur. Exactement. Les appels. Allô? Ici chez Bob. Tout à fait, comme d'habitude. Entendu, ce sera livré. Et les jeunes, je m'absente un instant, gardez la baraque s'il vous plaît. Pas de prob, Bob. Ok, tu vas livrer quoi, Bob? C'est louche. Quel zigoto, cela. Je dois y aller, ma fille m'attend chez mon père. Pas de soucis, on s'occupe du baladeur, t'en fais pas. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. A plus. A plus. Bon, et Tommy, heureusement qu'il y a personne qui arrive au camping parce que... Aïe. Bon, bah de toute façon, Matthew est déjà parti. On le sait. Ça va pas le faire, quoi. Ta ta ta. Matthew, et il y est pas. Matthew, il doit être à l'étage. Ben non, il s'est barré. Matthew? Pas là. Il est passé où? La valise de son père est ouverte. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher? Mais c'est le père de Matthew? Et à côté de lui, John Smith? Ha! Visiblement, la statue de la sirène était une véritable attraction à l'époque. Qui c'est devant le clocher? C'est louche tout ça. C'est qui eux? C'est John, avec la vieille dame acariâtre du jardin. Hein? C'est vrai qu'il y avait elle aussi. Mais alors elle le connaît? Je croyais que Matthew a vu la photo et veut enquêter. Évidemment.
vite. Et il pouvait pas nous attendre, parce que tu lui as dit, tu lui as mis la pression que s'il trouvait rien aujourd'hui, ça rentrait chez lui direct. Bien joué, Ashley. Bravo. Une journée pour résoudre une affaire vieille de 5 ans, c'est compliqué. Je dois retrouver Matthew rapidement, mais je ne sais pas où chercher. Cette femme était aussi sur la photo. Bah, il a dû aller chez la mamie. Hein. Zone du clocher. Ou alors, faut aller au clocher, puisque c'est le titre du chapitre. Mais dans tous les cas, c'est la même direction. Je crois. Hein. Il me semble, hein. Ou je me suis trompé. Grand arbre. On n'a pas pu, on peut pas encore aller au DC Valley. Vieille maison, c'est la vieille maison. Non, c'est pas la vieille maison, c'est où? Je me rappelle plus où c'est. Quand on est parti, on a poursuivi. Bon, bon, il est pas là déjà. On voit pas d'ici non plus. Hop. C'était là-bas. Hein. Ah, je sais plus où c'était la maison de la vieille là. Mais. Non, c'était pas là. Si, c'était après. Ah, si, c'était là, merde. Je me suis foiré. C'était la maison de la vieille. Je suis pas allé au bon endroit là. C'était bien de l'autre côté. C'était fallait que je tourne à gauche après le resto. Flûte. Bon bah c'était pas ici. Ça valait le coup d'aller voir. Hop, alors le resto. Tintin. Ta-da-da, ta-ta-ta. Il y a vraiment que des maisons à louer. Mais il y a un resto quand même. Ah, le distributeur. Recycleuse de canettes. Et Gloong. Et un jeton. Poubelle. Le passe-visiteur. Ta-ta-da. Domaine des grammes. Ça fait bien crier dessus la dernière fois qu'on est venu. Ah, mais c'est elle qui fait la livraison. Mais Matthew doit être ici, alors courage, Ashley. Ashley. Oh, Ashley. Bob, qu'est-ce que tu fais là? C'est exactement la question que lui il va nous poser. Pourquoi cette surpris? Je viens juste de finir ma livraison. Ici? Ouais, elle daigne manger ma nourriture si je la lui apporte. Mais elle pourrait tout de même reconnaître que mon croque-saumon est délicieux. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche Matthew. Je pense qu'il est chez la vieille la vieille dame. Ah, tu veux dire Charlotte? Petit conseil, avant de rendre visite à celle-là, il y a quelques règles à suivre pour ne pas se faire enguirlander. Des règles? Yep. Première règle, ne pas faire référence à son âge. Ne pas l'appeler mademoiselle ni madame, juste Charlotte. Ne pas lui parler de sa fille, Olivia, un sujet délicat. Sa fille? Ah merde. Plus important encore, le clocher, d'accord. Et encore plus important, ne surtout pas évoquer le clocher. Charlotte a une fille qu'il a abandonnée pour fuir avec son amoureux. Wow, vraiment, on dirait un scénario de film. Est-ce que ce serait pas Charlotte Crusoe? Tu l'as dit? Olivia avait déjà été mariée et ça s'était mal terminé. Elle a fini par retomber amoureuse de quelqu'un. Elle voulait l'épouser mais sa mère était contre. Charlotte lui a dit que cet homme lui briserait le cœur comme le premier. Mais ça n'a pas dissuadé Olivia, elle pouvait pas se passer de lui.
qui étaient-ils? Ils se sont enfuis et ont quitté la région. Wow. Depuis, la pauvre Charlotte n'a jamais reparlé de sa fille. Ou alors peut-être que c'était John Smith. Vous savez quelque chose sur l'homme avec qui elle est partie? Ouais, c'est le photographe qui vivait près du lac, Gilbert. Ah ok, le photographe. Un chic type. Lui et Olivia passaient parfois au resto. Dommage que Charlotte l'ait vu d'un sale œil. C'est sûrement le type qui vivait là où Matthew se cachait. Tout à fait. Et le clocher. Pourquoi il ne faut pas parler du clocher à Charlotte? C'est malheureux, le clocher évoque d'effroyables souvenirs. Quels effroyables souvenirs? Eh bien, le père de Charlotte a fait construire le clocher. Il s'appelait Benjamin. C'était un maître horloger. Charlotte a honoré ce patrimoine en prenant grand soin du clocher. Mais elle a tout arrêté il y a 5 ans. Et qui pourrait lui en vouloir après ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Un accident tragique. Je préfère ne pas en parler. Bon, bah si, on est au courant. C'est la fille de... Je suppose que la fille, donc la sœur de Matthew, est morte. Quoi qu'il en soit, Charlotte a arrêté l'horloge et a barricadé le clocher. Et depuis, il n'est plus accessible. Merci Bob, c'est bon à savoir. Pas de quoi. Surtout, suis bien ses règles, ok? Entendu. Mais si jamais on a besoin d'aller dans le clocher, on va avoir besoin d'elle. Bon, et repasse donc au resto avec ton pote. Bah si on le trouve, évidemment. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Pas moins que j'entre là-dedans, je me suis incendié une fois, ça m'a suffi. Oui, effectivement. Oh! La princesse avec. Bonjour, Charlotte. Tu te régales, brave fille. Charlotte Graham. Elle a quand même pas noté donné les croque-saumon au chien. Bonjour. Oui. Encore toi, que me veux-tu? Waf waf. C'est ta chienne? Non, elle appartient à quelqu'un que je connais. Alors tu es égarée, ma petite. Ça fait quelques jours qu'elle erre dans les environs. Elle semble affamée, alors je l'ai nourrie. Waf waf. Princesse? Mais qu'est-ce que tu veux? Elle te dit d'entrer dans la maison. Quoi? Allez, rentre, dépêche-toi. Et celui-là est avec toi, non? Hein? Ah, Matthew est là, ok. Matthew. Alors c'est là que t'étais. Oui, parce que cet endroit est un tel repoussoir qu'a l'idée de venir ici. Elle a raison, Ashley, sois respectueuse. Non mais... je pouvais pas savoir que t'étais là, moi. Matthew. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu aggraves ton cas, ma petite. C'était une plaisanterie. Une plaisanterie? Tu veux boire quelque chose? Elle a même proposé des gâteaux à Matthew. Charlotte fait du très bon thé. Oui, pourquoi pas. Je vais en prendre bien une tasse. Assieds-toi, je reviens. Ok, merci. Tant qu'elle revient pas avec un fusil. Alors, tu m'as cherché? Bah oui, Matthew. Bah oui, évidemment. Désolé, mais j'ai découvert un truc. La preuve que Monsieur Lunette Noire est impliqué. J'ai vu la photo. T'es venu le chercher ici? J'ai déjà demandé à Charlotte, elle a dit qu'elle le connaît pas. Je me suis excusé pour la fois où je débarquais dans son jardin. Elle le connaît pas, mais elle l'a déjà parlé. Et après que je me suis excusé, elle m'a invité à boire un thé. Je vois que tu vas pas chômer. Et voilà. Carrément avec le plateau et tout. Ça sent bon. Ça vient de mon jardin. Merci. Merde. Non seulement ça sent bon, mais c'est délicieux. Ouais, hein. Yes. On va aller pouvoir explorer peut-être un peu. J'aime beaucoup votre déco. Ça crée une ambiance chaleureuse. J'ai fait de mes mains tout ce qui est ici. Vous avez fait ça vous-même? Pas possible. Vous avez fabriqué ça, vous pouvez tout faire. Oh, j'ai déjà entendu ces paroles. Ton père... Michael m'a rendu visite il y a des années de ça. Comment ça, mon père Michael? Il s'appelle pas Michael. Michael était ici. Il a dit la même chose. Vous connaissiez mon père? Ah, c'était le père de... c'était le père de Matthew. Très bien. Le père de Matthew est venu ici? Bien sûr, à maintes reprises. Je connais Michael depuis qu'il est tout minot.
Vraiment? Vous pouvez me parler de lui? Eh bien, que dire? Michael était un vrai petit diaglotin. Je ne compte plus les fois où j'ai dû le chasser de mon jardin. Comme moi. Tout comme toi, mais il revenait toujours. Un diablotin. Il était toujours désœuvré, alors il passait ses journées à traînasser. Je me suis inquiété pour lui, à la vérité. Puis un jour, subitement, il a gagné le gros lot à la loterie. C'est alors qu'il a ouvert sa compagnie balnéaire. Imaginez le jeune Michael devenir directeur. J'étais contre, bien entendu. Je ne voulais pas être envahi de touristes. Mais Michael, eh bien, il tenait farouchement. J'ignore pourquoi. Ça s'est mal fini. On l'a accusé d'avoir pollué le lac. Pollué le lac ? Sa compagnie a fait faillite. J'ai eu de la peine pour ses enfants. C'est bon, je vais bien. Personne ne doit avoir de peine pour moi. D'ailleurs, rien de tout ça n'était la faute de mon père. Quelqu'un lui a fait porter le chapeau. C'est vrai ? Tu as vraiment foi en ton père. Polluer le lac, c'est-à-dire ? Pourriez-vous nous dire ce que vous savez sur la pollution du lac ? C'était il y a environ 5 ans. Aïe. Tout cet esclandre a commencé quand le domaine s'est mis à attirer les touristes. Un journal a affirmé que quelqu'un polluait le lac. À bien y repenser, c'était étrange. Qu'est-ce qui était étrange? Au départ, tous approuvaient la création du domaine. Michael avait reçu un fort soutien de la population. Puis l'article a été publié. Le domaine Crusoe n'était même pas cité comme responsable de la pollution. Mais soudain, les gens ont retourné leur veste. Ils sont devenus hostiles. Serait-ce la Gypsy Valley, peut-être? Ils ont rejeté l'entière responsabilité sur l'entreprise de ton père. Bizarre. Oui, mais très vite, tout le monde s'est mis à protester contre le domaine Crusoe. On entendait des « protégeons le lac, fichez le camp, à tout va ». Les touristes ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un jour, tout le monde est de son côté, et le lendemain, tout le monde est contre lui. C'était singulier. Et tout ça, sans se départir de leur grimace de vertueuse indignation. Ouais. Mais pour moi, ce sont tous des nouveaux venus, des ignorants. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter de Michael? Jamais. Certes, nous avions des opinions divergentes quant au développement, mais je connaissais Michael. Quelqu'un qui venait rendre visite à une vieille dame. Quelqu'un qui n'esquinterait pas un lac à son profit. Il n'a jamais été le gredin qu'on a voulu faire de lui. Si tu pouvais te rappeler comme il te regardait, il débordait d'amour pour toi. Ça me fait bizarre qu'elle parle à Matthew alors qu'on ne le voit pas. Ok, attendez, on se connaît. Vous m'avez rencontré quand j'étais petit? Bien entendu, je t'ai rencontré quand Michael était là avec toi. Déjà venu avec lui, vraiment? Mais il semble ne pas te le rappeler. Comment ça? Vous avez dit que je suis déjà venu chez vous, mais je m'en rappelle plus. Tu étais tout petit, ça ne me surprend pas. Je vois. C'était juste après la mort de mon mari. Il était horloger. Il entretenait le clocher, mais avec sa disparition, nous allions devoir engager quelqu'un pour prendre le relais. C'est alors que Michael Crusoe a débarqué chez moi avec son fils. C'est donc là que je suis venu. Exact, ton père était un brave homme. Il m'a proposé de financer les réparations du clocher. C'était très généreux de sa part, mais... disons que ma fierté a pris le dessus. J'ai refusé son offre. Michael m'a dit qu'il comprenait, mais il semblait déçu. Il est parti. Mais pas avant d'avoir goûté à mon gâteau à la framboise. Et moi aussi j'ai eu du gâteau? Oh que oui, tu souriais jusqu'aux oreilles. Du gâteau à la framboise. Je me rappelle quelque chose. Parfait. Je tenais le gâteau, papa était là, on est parti, on a grimpé dans la voiture. On s'est arrêté quelque part, il m'a dit qu'il avait du travail et que je devais l'attendre. Et il m'a donné une petite auto pour m'amuser. Tu te souviens de tout ça? Oui, je me rappelle être venu ici avec mon père. Et après ça, c'est tout ce dont je me souviens. Navré d'avoir fait ressurgir ces souvenirs. Ne te force pas à poursuivre. Non, je dois me souvenir. Si j'ai pas encore retrouvé mon père, c'est justement parce que je ne me souviens pas. En tout cas, c'est ce que je crois. Matthew. Quand avez-vous vu le père de Matthew pour la dernière fois? Cela fait un bon moment. Je l'ai aperçu au village lors de cette triste affaire. À cette époque, il avait cessé de me rendre visite. Je ne l'ai pas revu depuis toute cette triste histoire. Il a disparu après ça, nous le recherchons. Vraiment? Oui, je vais le retrouver et prouver son innocence. Ashley m'aide à enquêter. Quelle histoire? Et maintenant, je vais chercher dans le clocher. Aïe. Qu'as-tu dit? Oh non, il ne faut pas parler du clocher. La cata. Pourquoi dans le clocher? Michael ne s'y trouve pas? Nous... il y a un truc qui me titille au sujet de ce clocher. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Peut-être que si je me souviens, je pourrais enfin retrouver mon père. C'est vraiment ce que tu crois? Ouais. J'ai un peu peur, mais je veux connaître la vérité. Charlotte, s'il vous plaît, laissez-nous y jeter un œil. On en a déjà parlé. Affronter la vérité peut faire mal, mais au final, c'est toujours bénéfique. N'allez pas en démordre, à ce que je vois. Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller voir à l'intérieur du clocher. C'est bien ça. Par contre...
Vous aurez besoin de 3 clés. Il y a 3 clés, puisque je te le dis. Chacune des clés représente une partie de notre blason, une épée, une lune et une fleur. On se le transmet de génération en génération. Chaque membre de la famille Graham conservait l'une de ces 3 clés. Mon père Benjamin, mon mari Robin et ma fille Olivia. Mon mari est décédé et Olivia a quitté la maison. Robin avait l'habitude de ranger ses affaires dans la cabane à outils, mais j'ignore où Olivia a pu mettre la sienne. Bref, ce que je veux te dire, c'est que je ne sais pas vraiment où sont passées ces clés. Donc, si on trouve les 3 clés, alors vous pourrez faire ce qui vous chante. Ok. On va chercher les clés, en tout cas. De là, les trouver, je ne sais pas, mais on va essayer de les chercher. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai plus trop de voix. Et j'ai pas trop envie de me lancer dans la recherche des clés pour le moment. Sans trop savoir où je vais. Donc, on va sauvegarder. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.